Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, c'est une fête exceptionnelle pour nous que de célébrer le 20e anniversaire de la création de la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville. Il y a aujourd'hui plus d'une quarantaine de prêtres qui sont au service de 13 communautés dans 6 diocèses d'Île-de-France. C'est un signe très fort que nous voulons continuer de donner et développer autant que nous le pouvons, que de voir des prêtres associer leurs efforts pour la mission en mettant en pratique des conditions de vie qui permettent de dégager toute l'énergie nécessaire à cette mission. En fondant cette fraternité, il y a 20 ans, le cardinal Lustiger souhaitait que la coopération entre les diocèses d'Île-de-France ne soit pas seulement le résultat d'opérations ponctuelle et particulière, mais s'inscrivent dans une recherche commune. Et je crois qu'avec les évêques qui concélèbrent ce soir avec moi et ceux qui n'ont pas pu nous joindre, nous progressons dans cet effort pour réfléchir ensemble sur les projets dans la province d'Île-de-France qui font appel à un investissement particulier. C'est donc avec beaucoup de joie que vous avez vu passer les représentants de ces communautés avec leurs bannières et les prêtres de la fraternité qui sont habillés en vert pour que vous puissiez les distinguer des autres qui sont habillés en blanc. Voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets de l'organisation de notre célébration. Nous sommes très heureux de porter dans notre prière les 8 diocèses de la province d'Île-de-France et celles et ceux qui s'unissent à notre célébration grâce à KTO Télévision ou à Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Parole du Seigneur. C'est à toi, Seigneur, que Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous, Paul, Sylvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous. À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Il lui présente une pièce d'argent. Il leur dit : « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? » « De l'empereur César, » répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, célébrer le 20e anniversaire de la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville en ce dimanche qui est consacré dans l'Église universelle à la prière pour la mission, c'est un signe providentiel, car c'est une invitation qui nous est faite, non pas simplement à réfléchir sur chacune de nos communautés, sur les besoins que nous éprouvons, sur les projets que nous pouvons élaborer, mais à réfléchir plus profondément sur la mission universelle de l'Église qui vise non seulement les pays lointains, comme nous y étions accoutumés dans le passé, alors que nous nous imaginions que nous étions un pays chrétien et que nous devions aller christianiser des pays païens, aujourd'hui nous savons que la rencontre entre l'évangile du Christ et les sagesses des hommes, comme aussi leur folie, leur croyance, comme aussi leur idolâtrie, ne se réduit pas à une répartition géographique, mais qu'elle est une réalité actuelle chez nous. La rencontre de l'Évangile et du paganisme se vit ici, en France, en 2011. Il y a presque 70 ans, deux prêtres, peut-être inspirés, en tout cas on peut toujours dire qu'ils étaient inspirés a posteriori, puisque leur message a porté du fruit, ont écrit un petit livre intitulé « France, pays de mission ». Pour beaucoup de gens, au moment où ils ont publié ce livre, dans les premières années de la décennie 40, ça ne voulait pas dire grand-chose, sauf quelques régions de France. Aujourd'hui, cela veut dire quelque chose partout, dans chacun de nos diocèses, dans chaque département de France, dans chaque ville et dans chaque village, la foi chrétienne relève d'un choix personnel, particulier et libre. Il y a bien encore quelques influences sociologiques qui subsistent, mais nous savons bien aujourd'hui que ceux qui essayent de vivre de l'Évangile dans l'Église catholique ne sont poussés par personne et forcés par rien, sinon par leur choix. Et donc, notre mission prend une dimension nouvelle, car il ne s'agit plus simplement pour nous d'être les témoins avancés d'une foule indistincte, mais globalement attachée aux valeurs du christianisme. Il s'agit d'être aujourd'hui les prophètes d'une bonne nouvelle à l'égard d'hommes et de femmes qui, pour beaucoup, ne l'auront plus jamais entendue. Je ne dis même pas qu'ils s'en sont éloignés ou qu'ils l'ont rejetée, mais qu'ils ne l'ont jamais connu. C'est un changement considérable dans notre culture et dans notre pays. Oui, aujourd'hui, la France est un pays de mission, et tous ceux qui essayent de vivre en disciples du Christ et de mettre l'Évangile en pratique dans leur vie sont envoyés en mission. Si bien que, s'il pouvait y avoir encore quelques dimensions prophétiques dans le choix de l'intitulé de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville il y a 20 ans, nous pouvons dire aujourd'hui que la prophétie était juste. Car en effet, nos diocèses, nos villes, nos villages, nos cités ont besoin de missionnaires. Et comme il est naturel, les prêtres qui sont envoyés pour être pasteurs des communautés chrétiennes ne doivent pas seulement être les gérants d'une vie communautaire qui se subsiste vaille que vaille, ils doivent être les premiers leaders de cet effort missionnaire. Ils ne sont pas envoyés en mission pour expliquer aux chrétiens qu'ils sont chrétiens. On suppose qu'ils le savent déjà. Ils ne sont pas envoyés pour annoncer l'Évangile à des gens qui le possèdent aussi bien qu'eux. Ils sont envoyés pour stimuler et dynamiser la force missionnaire de la communauté chrétienne, pour l'aider à mieux percevoir qu'elle ne peut atteindre sa plénitude et sa dimension qu'en sortant de ses propres limites. Ainsi, dans chacun de nos diocèses, sous des formes différentes en fonction de la tradition particulière des diocèses, de leur histoire, de leur composition sociologique, de leur choix, des orientations pastorales qu'ils choisissent, dans chacun de nos diocèses, cette dimension missionnaire de l'Église prend une acuité nouvelle. Et chaque fois qu'avec mes frères évêques d'Île-de-France, nous échangeons sur ce que nous faisons dans nos diocèses, nous percevons très vite cette dimension de l'urgence de la mission. Au cours de l'année écoulée, nous avons fait un travail de recensement, d'analyse des initiatives missionnaires dans les milieux populaires en Île-de-France. Et nous avons ramassé une quantité de témoignages, d'activités qui ont été lancées dans toutes sortes de directions, mais qui manifestent toutes ce dynamisme de l'Évangile à l'œuvre dans l'Église. Frères et sœurs, nous sommes héritiers d'un trésor, nous avons reçu un patrimoine. Notre responsabilité, ça n'est pas, comme nous l'indique très clairement l'Évangile, d'enfouir ce trésor pour le préserver des assauts du mal. C'est au contraire de le faire partager, de l'ouvrir, de le rendre accessible à tous, les bons comme les mauvais, car le Christ n'est pas venu annoncer le royaume à ceux qui n'en avaient pas besoin, il est venu l'annoncer à ceux qui en avaient besoin. Et donc, cet investissement considérable que nous avons fait, que nous continuons de faire à travers la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville, a pour objectif prioritaire de stimuler, de fortifier, de dynamiser l'esprit missionnaire des communautés auxquelles ces prêtres sont envoyés, d'être avec eux les agents de la mission du Christ aujourd'hui. En ce temps d'action de grâce, je voudrais simplement, en évoquant ces 13 communautés réparties à travers l'île de France, faire nôtre les paroles adressées par Paul aux Thessaloniciens. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Oui, à tout instant, comme Paul le dit aux Thessaloniciens, nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage qui est rendu à l'Évangile à travers toutes les communautés chrétiennes d'Île-de-France. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont les animateurs de la mission de l'Église à l'égard du monde qui l'entoure. Nous rendons grâce à Dieu pour la ferveur, le dynamisme, l'enthousiasme qu'ils peuvent susciter et qu'ils peuvent entretenir. Amen. Credo in unum Deum. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le sacrement que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, sur notre frère André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, j'insiste pour vous rappeler que jeudi prochain, comme tous les jeudis d'ailleurs, à 19h à l'issue de la messe du soir, vous êtes invités à l'adoration du Très Saint Sacrement. D'ailleurs, je note que vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est un rendez-vous important à ne pas manquer. Samedi prochain, 22 octobre, il n'y aura pas de vêpres à 17h45 en raison de la messe anticipée du dimanche soir, présidée par l'évêque de Troyes, monseigneur Stenger, en présence de la communauté latino-américaine et de l'ostension du tableau du Seigneur des Miracles. Comme ce tableau part du fond du parvis et qu'il avance lentement, il n'y a pas de vêpres pour le laisser arriver jusqu'au moment de la messe. Vous pouvez venir nombreux. Par ailleurs, vous avez tous noté quelques rendez-vous, en particulier que le mercredi 2 novembre, après bien sûr la grande solennité de la Toussaint, dont vous aurez les horaires la semaine prochaine, le mercredi 2 novembre, à la messe de midi, nous nous retrouvons avec les chapelains et les membres du personnel pendant cette journée de récollection du personnel de la cathédrale. Et selon la tradition, nous prierons pour tous les défunts, amis, alliés ou bien de nos familles, morts dans l'année. Et ce sera monseigneur Antoine Hérouard qui présidera notre Eucharistie, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Et dans l'après-midi à 15h30, notre archevêque nous rappelle que si nous pouvons, nous pouvons nous rendre à la Chapelle des Douze Apôtres au cimetière de Montparnasse pour un moment de prière présidé par monseigneur de Moulin Beaufort à l'intention de tous les prêtres décédés dans l'année, et en particulier nous sommes touchés plus spécialement par le décès de monseigneur Claude Rochin, ancien recteur bien sûr, il vous souvient, de la cathédrale et qui est décédé en février 2011. En octobre, les nocturnes estivales à Notre-Dame continuent, les jeudis et les samedis. Et puis, vous n'oubliez pas le concert de musique sacrée avec le chœur d'enfants et l'orgue, le mardi 18 octobre, à 20h30, vous pouvez prendre des places à l'accueil. Et c'est le dernier rappel pour le denier de l'Église, mais vous avez bien compris, je n'ai pas besoin de développer, mission et solidarité vont avec générosité. Un grand merci de ce que vous ferez pour cet appel au denier de l'Église à partager tous ensemble. Il y a quelques jours, c'était vendredi, notre archevêque a eu 23 ans d'ordination épiscopale. Je pense que nous pouvons faire un geste pour lui dire qu'on prie pour lui, on pense à lui et on lui fait un beau petit cadeau. Voilà, merci, on va applaudir. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle de célébrer ses 23 ans d'épiscopat. Ça veut dire qu'il est passé beaucoup d'eau sous les ponts et qu'il n'en reste plus beaucoup à passer, mais enfin, avec la grâce de Dieu, nous essaierons d'être fidèles à l'envoi qui a été fait, et grâce à vous, à vivre cette mission dans la sérénité et la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.